Et salut à tous, c'est Nick et on se retrouve pour l'épisode 12 de mon let's play sur Kingdom Hearts 2. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que je filme très tard le soir ou très tôt le matin, je ne sais pas vraiment. Vous prenez ce qui vous arrange, donc il est 1h30 du matin. Et vu qu'il fait chaud en ce moment, bah, je préfère filmer comme ça la nuit. Donc je vais examiner, il y a eu du grimpuge dans cette pièce. Donc la dernière fois on s'était arrêté dans la chambre de la bête et nous devions rejoindre Belle avec la bête justement. Sauf qu'on l'a pas mis dans l'équipe, mais il est avec nous. Faites comme s'il était avec nous. Donc là on va avoir des combats. Hop. Étant donné qu'il y a personne chez moi, ou en tout cas à l'étage, ça fait que je peux parler un peu fort. Mais ça sera pas tout le temps que je pourrai filmer à cette heure là. Donc j'espère qu'il va pas faire super chaud tout l'été. Donc je suis désolé à tous ceux qui adorent la chaleur. Mais c'est vraiment pas mon truc. Moi dès qu'il fait plus de 19-20 degrés, ça y est, je suis en train de mourir de chaud. Donc voilà, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire: ah là là Nick, le chaud c'est bien et tout, l'été c'est cool, tu bronzes, t'es beau. Non t'es beau, enfin quand on est moche de base on n'est pas beau. Bref, Hall West, nous continuons. Et puis nous allons rejoindre du coup l'aile Est vers la chambre de Belle, dans la logique des choses. Donc alors on passe par là, il y a des sans-coeurs, on va s'en charger. Toi, tu meurs. Hop, merci de me l'avoir envoyé, Donald. On y go. Bon, il y a pas mal de sans-coeurs, je pense que je vais faire quelques niveaux ici. Si je termine pas le monde, si je le termine pas maintenant, je pense faire des niveaux quand même. Parce que ce qui est con, c'est qu'on termine très rapidement les niveaux et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je fais un petit peu de voilà. Donc je sais pas si on avancera beaucoup dans l'histoire. Je pense qu'on finira quand même ce monde-là. Je pense qu'on va se taper un boss. On a déjà pas mal avancé dans ce monde-là. Bon, on a avancé quoi de 30 minutes, c'est tout. Donc je pense qu'il reste encore un épisode. Je pense que d'ici la fin de l'épisode, on arrivera justement à la fin. Donc si je ne termine pas ce monde avant la fin de cet épisode, ça sera je pense au début de l'épisode prochain. Sauf si vraiment je fais un long épisode et pour profiter que je puisse filmer là. Je sais pas. Ça dépendra de mon envie. Oh, un coffre. Ça dépendra de mon envie. Je pense pouvoir quand même faire une assez longue vidéo. Étant donné que je n'ai pas de restrictions, mis à part que je suis fatigué et je peux être éventuellement un peu mou. Donc là je suis en vidéo, je vais quand même être un minimum actif, vous voyez, sauf qu'il y a à peine 20 minutes, j'étais en conf Skype avec Dinera et j'étais totalement mort. Lui d'ailleurs il est allé se coucher, donc bisous à lui, même si je sais qu'il regarde pas ce let's play. Allez lui passer un bisou de ma part à Dinera, il va être content. Donc toi tu meurs, merci. Et on arrive du coup dans l'aile Est, qui est beaucoup plus petite que l'aile Ouest, soit dit en passant. Toi tu meurs. Ah, ils ont vraiment pas mal de vie. What, c'est quoi ça? Ok, je me suis agrippé au sans-coeur. Bon, la caméra qui est un petit peu foireuse là, mais c'est pas grave. Hop là. Bon, au moins on a monté d'un niveau. Je peux continuer. Au revoir. Et puis on arrive dans la chambre de Belle. Et il n'y a pas Belle. Ça c'est étonnant. Maître, tout le monde est libre. Formidable, merci beaucoup. Où est Belle? Elle est partie précipitamment en disant qu'elle devait rattraper un homme en noir. Quoi? Mais pourquoi désobéit-elle donc toujours? Allons, allons. N'est-ce pas ce qui fait son charme? Nous devons la retrouver. Ouais, parce que un membre de l'organisation 13, quand même, c'est gros. Oh merde, j'ai oublié de recharger mes vies. Attendez. Je fais juste voilà un aller-retour. Je passe sur le point de sauvegarde. Je recharge mes vies. Donc il faut
Il faut du coup la rejoindre, la rattraper parce qu'elle est, elle suit Xaldin, le membre de l'organisation 13. Toi, tais-toi, tu te calmes, voilà, t'es beau, t'es chaud. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, sûrement la fatigue. Donc on se retrouve dans le grand hall. Bell, where are you? On dirait plutôt qu'elle est dans une boîte, pas, quand, pas qu'elle, est, qu'elle est dans une pièce juste à côté. Enfin bon, c'est pas grave. Les gens, je me rappelle de ce boss là et j'ai de très mauvais souvenirs. Voilà. Pourquoi j'ai des mauvais souvenirs? Je crois que on le saura bien assez tôt. Oh putain. Je me rappelais pas de ça. Ah. Viens ici. Ok, ok, ok. Voilà. En fait, il hante des objets. Enfin, des parties du château. Et puis, on doit l'expulser après avec triangle une fois qu'on a... qu'on a tué toute sa barre. Enfin, tué. Qu'on a baissé toute sa barre. Là, on va esquiver. Puis on va se diriger vers lui. Ah non, il va se diriger vers le lustre. Voilà. On va esquiver son attaque. Et puis, on va se diriger vers lui. Ok. D'accord. Non ! J'aurais dû sauter. Allez, go. On l'expulse. Ah. Putain. Il est chiant. On va finir avec la fusion. Et voilà, c'est terminé. Tranquillou. Moi, je me rappelle pourquoi j'ai des mauvais souvenirs. C'est pas du tout terminé en fait. Et c'est cette phase là en fait que je me souvenais, je crois. Bon, je suis toujours en fusion. Mais pour combien de temps, j'en sais rien du tout.
Bon, ça va encore là. Ah, par contre là, j'ai plus la fusion. Ça va être compliqué. Viens ici. Ah putain, j'en étais sûr. Allez, 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 allez. Crève. Bon, on va esquiver ça. Enfin, on va esquiver. On va essayer du moins. Voilà. Non. Putain, j'en étais sûr. On va le finir quand même. Voilà, c'est terminé. Et là c'est vraiment terminé par contre. So you think. Zaldan! Farewell. What does he want here? He must be with Organization 13. Ever heard of the Nobodies? When a strong-hearted person turns into a Heartless, a Nobody is created too. See, the Organization, they've got control of all the Nobodies. That's right! And they were gonna make you into a Heartless. That way they could get that nobody of yours and have control over it. You're all right. Bell! I wasn't myself. I hope I haven't done anything to hurt you. Forgive me. I know you weren't yourself. You don't have to apologize. But I had hoped that you might have changed a little bit. I wish you could start trusting me. Oh, I am afraid time is running short. What do you mean? Remember the rose? From the beast's womb? Precisely. You see, if the master can learn to love and earn love in return before the last petal falls, the spell will be broken. Really? You think he's gonna make it? We think so. Yep, I think you're right. I hope you're right. Thank you.
What happened? The gate is open! Do you have to go? Yeah. Well, no more arguing, okay? Huh? Oh. We'll see to it. Take care, dears. You are welcome here any time. If you hear anything about Riku, or the King, the Heartless, the Organization, anything at all, let us know. Okay, gotta go. Et j'ai le sort soin, enfin. Trop bien. Hein? Eh, c'est bizarre, on dirait que le vaisseau avance tout seul. Oh, on se dirige droit sur la forteresse oubliée. Ah bah d'accord. Ah super. I wonder what's up. Come on. Well now, took your time, did you? Oh, was it you who summoned us, Merlin? Yes, yes. But it seems I used too much power in doing so, and those infernal Heartless. Oh. So what's up? Well, I happened to stumble across this in the Zero District. Pooh's storybook. That's right. I know you're a good friend of Winnie the Pooh, Sora. That's why I summoned you. And when I did, I was attacked by the Heartless. Of course, I fought back with some rather powerful magic. But then I began to fear the book would be damaged, so Oh, now, just a moment. Leon and the others need to hear this, too. I'd better go find them. Be back in a jiffy. I wonder how Pooh's doing. Want to find out? Yeah. Eh bien, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, donc nous sommes traînés de force à la forteresse oubliée pour aller dans le monde de Winnie l'ourson. D'accord, bon, voilà, c'est bon, j'ai réussi à avoir la pièce de Pearls. Nous avons un point de sauvegarde ici, nous sommes qu'à 18 minutes. Écoutez, on va aller dans le monde de Winnie l'ourson, écoutez, je sais pas si on peut partir plus tôt, mais bon. Sora, cover for me, okay? I wonder if Pooh's home. Bon, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Thank you.
Maison de Winnie. Oh. Hey, Pooh Bear, how you doing? Finding enough honey lately? Oh, yes. In fact, I was just about to do my stoutness exercises. Would you like to join me, Sora? Sure, I'm game. Huh? Donald? Did you bring the book, Sora? Hey! Allons récupérer le livre de Winnie l'ourson, les amis. Bon, allez, crevez tous là. Normalement, c'est un soldat qui l'avait, mais je sais pas si ça prend en compte en fait que un certain sans-cœur là ou s'il faut tous les éliminer. Je pense qu'il faut tous les éliminer, mais bon, c'est pas grave, on va le faire, hein. Écoutez, c'est des petits sans cœur. Voilà, nickel. Think it's okay? Gorge, maybe you better go back and make sure Pooh's all right. But what about Brian? Well, I guess we could explain. Great. Bon, eh bien, vous voyez qu'il manque toutes les pages, mis à part celle-ci, donc je crois que ça va être la même merde que dans le 1. Voilà. Pooh. Putain, ils peuvent pas faire une scène juste pour s'approcher de Winnie, parce que là, ça sert à rien. Bon, du coup, je vais ouvrir les coffres avant de déclencher la scène avec Winnie. Parce que je ferai des rêves bleus, ok. Parce que je pense que après cette scène là, on va devoir sortir du livre. Ils vont nous dire allez chercher toutes les pages dans le livre. Ça, je peux pas y accéder, ok. Parce qu'il y a un autre coffre. Bon, on y va, on lui parle. I'm so glad you're okay, Pooh. And I'm glad you came to visit. But you see, I was just about to begin my stoutness exercises. Perhaps we could visit a bit later. Somebody I don't know. Oh, sure. So, how's Piglet these days? I don't think I know anyone by that name. Now, where was I? Oh yes, my stoutness exercises. Pooh? Hey, Pooh? Something very weird is happening here. Maybe I better go back and ask Merlin about this.
Tout de même, vous auriez pu attendre mon retour. Désolé Merlin. Où en est la situation? Eh bien, Winnie ne se souvient plus du tout de moi, ni de ses autres amis d'ailleurs. C'est bien ce que je craignais. C'est bien ce qu'il craignait. Les pages ont disparu! À mon avis, tout ceci est lié à la disparition des pages volées par les Sans-Cœurs. Vous allez devoir les retrouver et les replacer dans le livre pour remettre les choses en ordre. On a l'habitude. Bon, il n'y avait que 5 pages dans le 1, je pense qu'il y en a autant. Ce livre est l'un des plus précieux objets de ce monde. Je comptais avertir Léon de sa découverte, mais je crois que nous ferions mieux de garder ça secret pour le moment. Compris, c'est d'accord, entendu. Très bien. Mais oui, très bien. J'ai quelque chose pour toi, Sora. Qu'est-ce que c'est? Concentre-toi bien dessus, il te suffira d'un mot pour invoquer un puissant allié. Comme Simba et Mushu la dernière fois, donc là il parle des invocations. Donc oui, j'avais Mushu en invocation dans le 1, c'est pour ça que Mushu se souvenait de nous, sauf que je ne l'ai jamais invoqué en vidéo. Voilà, c'était Mushu la dernière invocation que j'ai eue en battant Maléfique dans la forteresse oubliée. Petit aparté. Tout à fait. Maintenant, va poursuivre ta route avec tes compagnons. Merci Merlin. On reviendra dès que l'on aura retrouvé les pages. D'accord, donc on n'a pas le droit de revenir. Pendentif Bat, avec l'aide de 2 amis, utilise la commande invocation pour invoquer Chicken Little. Donc Chicken Little, je me rappelais pas que c'était aussi vieux, mais ça date de plus de 2005 maintenant. Le personnage invoqué prend la place des autres membres de l'équipe et c'est les différentes commandes propres à chaque invocation. Ok, donc ça nous sort direct de la forteresse oubliée, normal. Je voulais faire un truc avant, mais bon, tant pis. Donc, on peut de ce pas se diriger vers le prochain monde. Mais d'abord, il faut ouvrir le passage. S'engager dans la tempête fantôme. Donc, encore une petite phase de vaisseau pour atteindre le nouveau monde. Donc, mine de rien, on avance pas mal. On a fini beaucoup plus vite que prévu le monde de la bête et la belle et la bête. Alors décollage, on va prendre nouveau, donc là c'est le I-Wing niveau 2, donc j'ai pris le niveau 1 avant. Donc un modèle conçu autour des blocs armement, attaque et défense. Bon écoutez, on va prendre lui parce qu'il a l'air stylé. En plus il est violet, j'adore le violet. Enfin, move. C'est pareil, c'est la même chose. Ready. Il est presque 2h du matin là et je suis à fond. Je suis à fond, vraiment ce jeu il me fait aller à fond là. Allez décollage, allez c'est parti, tic et tac. Ah on peut passer la scène, d'accord. Bon la prochaine fois je la passerai parce que c'est un truc inutile, voilà. Ouais c'est parti pour la phase de vaisseau, j'espère que je vais pas mourir connement. Ça serait con. Connement, ouais ça serait con, oh, lol. Nick, tu t'améliores de jour en jour. Allez, c'est parti. Maintien enfoncé pour verrouiller une cible. Une fois la cible verrouillée, relâche pour déclencher le tir. Je ne savais pas. C'est pas comme si c'était la troisième phase en vaisseau du jeu. Ah, elle est classe. J'aime beaucoup. Oh putain, je me suis frappé. Oh, casse-toi. Ah d'accord, il y a un bateau fantôme en fait, c'est pour ça le truc fantôme qu'ils ont appelé ça comme ça, voilà. Non, non, il y a trop de méchants. Oh, je me suis pris un coup de nulle part là. Oh, il y a un galion pirate. Un galion fantôme. Une sorte de mini-boss. Allez, on spam. Ah, ma manette a presque plus de batterie. Ah,
go go go, c'est bon, la deuxième roue est hors d'état de nuire. Oui, on attaque des roues parce que les roues sont dangereuses. Bon, c'est des sortes de roues, mais je sais pas vraiment ce que c'est en vrai. C'est des trucs, des sortes de moulins qui doivent faire fonctionner le navire. Aïe. Oh je prends cher. Ah là, j'ai pris les vies quand même. Ouais, je prends les vies. Oh. En fait, d'accord, les petits trucs verts, c'est des vies. J'avais pas compris. Ah bah là, ça va mieux quand on comprend que les trucs verts, c'est les vies. Allez, dis donc. Là, je suis full vie. Ah, parce que là, je prends vraiment cher. Bon, j'ai failli mourir encore une fois, mais je suis pas mort. Ça, c'est ma chance. J'ai énormément de chance dans Kingdom Hearts. Je sais pas pourquoi. C'est rare, hein. C'est rare quand j'ai de la chance. Alors, dans un jeu comme ça, c'est clair que ça me surprend un peu. Bon, sinon, c'est une sorte de boss, ça. C'est quoi, là? Parce que ça serait bien que ça se termine. J'aimerais bien aller dans le prochain monde. Là, il y a pas de vie en fait. Ah, si. Je prends cher. Bougez, s'il vous plaît. Ah non, il s'est recaché. Bon, j'espère que c'est bientôt terminé là, parce que voilà, merci, au revoir. Allez, on s'en va. Au revoir, bateau pirate. Ah, on dit pas que c'est pas fini. Ah si, quand même. Putain, je me disais. Route ouverte. Et on a failli mourir, encore une fois. Mission 1 et 2 débloquées, voilà. Iwin niveau 3, il faut qu'on niveau 3, c'est ça? Non, pas de faut qu'on niveau 3. Bon, du coup, on va pouvoir atterrir dans le prochain monde que vous avez sûrement reconnu. C'est un monde qui était dans le 1. Bon, là, je vous spoil un petit peu 2 minutes à l'avance, mais je pense que vous l'avez reconnu quand même avant, parce que, enfin, sauf si c'est trop petit. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc, nous descendons au Colisée de l'Olympe. Are you sure this is the Colosseum? It's that way. Oh, guess we were a little off. Ah! Heartless! Donc nous arrivons à l'entrée des enfers. Nous avons un point de sauvegarde ici. Nous sommes à 35 minutes de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là quand même. Bon, on va la laisser par terre pour le moment. Moi, écoutez, je vais aller me coucher. Il est 2h du matin. Je suis un petit peu mort. Je vais juste faire un truc. C'est par rapport... Oh, donc du coup, je vais juste voir un petit peu les compétences et tout. Comme ça, ça sera fait. Donc, frappe ascendante, riposte, vaillance auto. Définit automatiquement vaillance comme commande réaction en cas de danger si la fusion est possible.
Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Par contre, j'ai pas de points de compétence, donc ça serait bien que je mette des bonus PC parce que j'ai aussi également riposte après avoir reçu un coup, retrouve ton équilibre et contre-attaque en appuyant sur carré. Projette un ennemi en l'air durant un combo en appuyant sur carré. Bah écoutez, vaillance auto non, par contre riposte ça me dit bien. Par contre, il faut 3 PC. Donc soit j'attends de monter un petit peu de niveau, soit je mets les bonus PC, je verrai. Je verrai. Par contre, j'ai également booster feu. Il y a trop de trucs où il faut des. Donc là, il a brasier. On va activer brasier en libre. Dingo, on va. On peut pas activer défenseur. Donc on va pas mettre défenseur. Configuration, ça c'est ça que je voulais faire. C'est le sort soin. Je veux le mettre. Donc attendez, on va les enlever. Le sort soin, je veux le mettre sur triangle. Le sort... je sais plus sur quel j'ai mis. Le sort brasier, je vais le mettre sur rond. Et le sort glacier, je vais le mettre sur carré. Voilà. Et ça, je vais mettre une potion plus à la place. Ça c'est bon. État invocation, on a Chicken Little qui est où d'ailleurs? Qui est là, invocation. Donc on a deux trucs. Bah écoutez, c'est bon, hein, je pense qu'on est pareil. Et vous voyez d'ailleurs que ma jauge de flux pour la fusion est scellée, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à regarder la description. Il y a tous les liens pour mon Facebook, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Nick.